loyers seront désormais encadrés dans les zones jugées les plus tendues sur le plan du logement. Dans quel cas cette nouvelle mesure pourra-t-elle s'appliquer? Eh bien, c'est ce que nous montre à Creil, en grande région parisienne, Arthur Déhay et Karine Bourdet. Visite d'un F4 en location à Creil, à une soixantaine de kilomètres de Paris. Loyer demandé, 612 euros. Loyer pratiquement stable, car désormais, lors d'une relocation ou d'un renouvellement de bail, la hausse est limitée. Demain, s'il le reloue, eh ben, il sera obligé de repartir sur la même base. En effet, Creil fait partie de ces villes où les loyers dépassent le seuil maximum fixé par le gouvernement. Ici, 11,4 euros le mètre carré au lieu de 11,1. Autre critère, la hausse des loyers depuis 2002. 4% en moyenne à Creil au lieu des 3,2% prévus par le décret. Cet agent immobilier critique la nouvelle règle du jeu. Il ne constate pas de tension sur le marché et redoute une mauvaise réaction des propriétaires. Tous les jours, on a des demandes de propriétaires qui retirent leurs biens du marché. Mais pour les représentants des locataires, cette loi est un bon signal envoyé aux propriétaires, même si elle ne résout pas tout. Cette mesure va peut-être ralentir un petit peu le niveau des loyers à la relocation, mais les loyers qui sont déjà très élevés ne vont pas baisser pour autant. Donc voilà, c'est une mesure symbolique, importante, mais insuffisante par rapport à la situation du logement que nous connaissons. Autre faiblesse du dispositif, soulignée par les associations, les nouveaux locataires ne connaissent généralement pas le montant du loyer pratiqué avant leur arrivée. Ils ne pourront pas vérifier si leur propriétaire applique bien le nouveau décret.